par an, 40 kilos une fois fini, fromage, donc vous faites le compte.
pour 25 fromages pour faire une tonne, à peu près, donc 25 fois 55 000 fois 5. Donc ça fait une grosse somme d'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, le TGC? Ben déjà, il y a 70% qui est réinvesti au niveau promotionnel. Parce qu'il y a compté les pubs à la télé, c'est eux. C'est-à-dire, faites au magasin gratuit pour compter, c'est eux. Voilà le rôle du CIGC. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, le cahier des charges que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est eux qui le définissent, qui le régissent. Ils vont réguler la production grâce aux plaques vertes. C'est-à-dire qu'on va essayer de fabriquer toujours près le même volume pour ne pas avoir de surproduction ou de sous-production. Donc elles sont délivrées en fonction des quotas laitiers des agriculteurs. Les agriculteurs qui n'ont jamais vendu leur lait en comté, ils ne vont pas arriver en disant « Moi, je viens vendre mon lait en comté, vous prenez 100% de mon quota en plaque verte. » C'est pas comme ça que ça se passe. On prend 10% par an pendant 10 ans. Pour le temps de trouver les marchés, pour pouvoir créer la surproduction. Le gros problème qu'il risque d'avoir maintenant dans la filière, qui va déséquilibrer la filière comté, c'est qu'il n'y a plus de quotas laitiers. Ils vont arrêter les quotas laitiers, ils en parlaient. Donc comment on va faire? Il y aura probablement une surproduction. Moi je m'en moque. J'achète le lait qu'il me faut. Qu'est-ce qui va se passer à ma diable? Mais les prix du litre de lait vont baisser. Oui, ben, j'achèterai moins cher, je vendrai mon fromage moins cher. Et le comté va peut-être baisser en prix parce qu'il y aura une surproduction. Bon, la marche commerciale, elle sera toujours la même. C'est bien pour vous? Ouais. Et les prix baissent, c'est quand même pas forcément bon. Si plus le pétrole baisse en ce moment, vous avez augmenté, mais s'il baisse en ce moment, c'est pas forcément bon. Et si vous faites plus du... Comté. Oulala, ça colle à la toile. Oulala! J'aime pas. Enfin, c'est bon goût de fromage, mais c'est... Plus ça colle à la toile, meilleur c'est. Alors, ça colle à la toile pour deux raisons. Il a fait chaud hier. Et j'ai chauffé pas à 55, mais à 55, 5, 56, je le sens quand je mets la main dans le petit lait. Donc, c'est pour ça que ça coûte. Comment je vais faire? Vous avez vu que ça a tout collé là? J'aimerais pas tout. Tout arracher surtout. Antipolivore, c'est un gros important. Vous avez vu, famille? C'est pas grave, hein, on va repasser 7 heures. Je vais repasser jusqu'à ce soir. Comme ça, on ne verra plus même en 7 heures. C'est tout mou, hein. Et ça collera beaucoup moins sur cette toile. Et c'est pour ça qu'on change. Donc on fait le fromage 7 heures, le petit lait va continuer à sortir pendant 7 heures. C'est pas qu'on le met sous la presse, hein. Regarde, reste là. 5 minutes de plus, on va aller à la vache qui rit. Un secret, je crois ça. Non, mais je préfère le mettre à la cave qu'à la vache.